Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors, Bassem revient une nouvelle fois sur le fait que Marine Elimer soit à la Mecque. Il la tacle. Écoutez sa story. Rendez-vous compte que les Kahaba ont posé leurs mains sur la Kaaba. Alors, elle, personnellement, son nom et son prénom, je m'en tamponne comme de l'an 40. Je parle toujours d'un contexte. La boîte de Pandore a été ouverte. Sa plastique, ses fossiles, avec ses mains. Il y a des sœurs en plastique qui l'ont croisée, elles ont fait des selfies comme si elles étaient devant une chicha à la Mecque. Les gens, maintenant, ils vont aller au Hajj, pas pour leur foi, pour accomplir leur pèlerinage. Ils vont y aller pour croiser les gens qui sucent. Oh là 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 là. Mais ça va être ça. Je vous jure que ça va être ça. Alors, les paris sont ouverts. Les émissaires, les hyènes de Cyril, ils sont en train de tourner autour. Ce week-end, attention! Oh oui, oui, oui. Lundi ou mardi, elle est sur le plateau. Si, elle est sur le plateau, je te dis. Bonjour bébé, mes chéris, alors qu'est-ce que t'en penses? Oui. J'ai été acculé parce que je suis allé à la Mecque, tout le monde m'est sauté dessus, mais alors, Gilles Verdez, t'as le droit, t'es une musulmane, t'es... Oh là là, quelle France de con, mais c'est trop facile. On ouvre les paris ou pas? On ouvre les paris? Allez, la cote, elle est à 1,02.